Il va fumer. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Ratchus. Rappelez-vous, on avait fait la démo et là aujourd'hui on va tester le jeu complet. J'espère que ça vous fait plaisir. Il est en français, incroyable. C'est parti, on va se régaler. Nouvelle partie, let's go. Ok, donc on commence dans les cellules. Acte 1, prison. On est des détenus, un peu façon SCP. Go. Donc là, le garde, il est en train de nous emmener à un endroit. Si vous n'avez pas vu ma démo, je vous invite fortement à la voir. Vous allez voir mes réactions de la découverte. Oh my god. Donc là, en fait, ils font des essais sur des détenus. Vu que leur vie ne vaut moins que rien. Oh mon dieu. Oh, c'est horrible. Ok, patient numéro 3. Enfin, détenu plutôt. Ok, les mecs, c'est les problèmes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allons, tire. Ah, il est horrible, ce rat énorme. Donc là, l'essai, clairement, il a mal tourné. Hein. Avec sa tête d'araignée, l'autre. Allez, vite, faut pas que les gardes nous voient. Hein. Surtout pas. Et nous, on va se cacher. Donc, il me semble que c'était là. Parce que la troisième, je crois, il me tuait, non? Yes. Ok, je l'ai évité, vous avez vu? Parce que le rat était tombé sur la troisième. Putain, vous avez vu la taille de ce rat? On pourrait se faire un méga barbecue. On est foutu, on va mourir. Calme-toi mec. C'est notre chance d'essayer de nous évader de cette prison. Ok, c'est cool que ce soit en français. Donc... Wow, regardez, il est en haut. Il y a sa queue qui dépasse. Il est dans la ventilation, putain. Adieu le barbecue. Ça s'ouvre pas sans la carte d'accès. Essayons de passer par les conduits, comme dans le film Alien. Mais dans le film, tous ceux qui passent par les conduits crèvent. Ok. Ok, mec. Toi, t'es un champion. Donc, le fait de courir et de plonger, c'est très important dans le jeu, vous allez le voir. On va fumer sa clope. Façon Rambo. Allez. C'est pas bien de fumer, je vous le rappelle. Hop là. Vous avez vu? Là, en fait, faut tirer tout simplement. Système de bois. Voilà. On avait une dalle en fait qui nous permettait d'ouvrir la porte. Allez. On avance. Une petite save, ça c'est cool. Et là on va appuyer sur le bouton. Vous êtes prêts? Ok. Je me rappelais que les portes ne duraient pas longtemps. Le timing est très court. Yes! On n'a pas laissé notre jambe. Ok. Vous ne devriez pas être là. Aidez-nous, docteur. Il faut qu'on se tire de là. Il y a un rat géant à nos trousses. Je ne peux pas vous laisser vous enfuir. Le gouvernement tuerait ma famille. Donne-nous cette valve, vieux schnock. Je vais le poursuivre. Si je suis pas revenu dans 5 minutes, appelez la police. Mais clairement pas. Ok. Du coup, on va chercher la valve. Sinon, on pourra pas faire le casse-tête. Oh my god. Là, il y avait rien là-dedans. Allez, on y va. Garbage, donc c'est les ordures. Oh non! C'est bon, je me rappelle l'endroit, le pire endroit du monde.
Oh mon dieu. Ça va être tellement difficile là. Donc là, on est dans un tonneau. Enfin, dans un baril. Dans une mer d'acide. Là, c'est plutôt un lac. Mais si on tombe dedans, c'est fini pour nous. Allez, on va récupérer le tuyau. Oh my god. Oh, sans pitié. Aucune pitié. Du coup... Faire attention aux bulles. Voilà. Ce passage est très difficile. En fait, où il y a les bulles, c'est où il va faire sortir sa queue pour nous attraper. Donc faut feinter un peu. Faut faire des trucs imprévisibles. Ah! What? Il en fait un double? Les gars, ce passage est super dur. Hein. En plus, c'est très aléatoire. J'avance et je recule un peu. Wow! Une triple! Les gars, c'est vraiment dur. Hein. Ok, on est bientôt arrivé. Ah! Ok, c'est bon. Je sais que je dois courir et glisser! Yes! Yes. Allez, on récupère la valve. Voilà, je me rappelais de ce passage. Eh, j'avais tellement galéré, même à la démo. Du coup, le fait d'avoir la valve, on va pouvoir faire l'énigme. Tu as la poignée de la valve? Oui, c'était facile. Ouais, bien sûr. C'est pas toi qui l'as fait, ça se voit. Hein. Disons que le docteur ne dira rien au gouvernement maintenant. Bah ouais. Il est réduit au silence. Ok. Donc ça, on va le faire rapido. Alors. Si je le fais une fois. Là, on peut pas. Si je le fais venir ici. Pour remplir les 4 au même niveau, il me semble. Et maintenant... Oh, attendez, on le refait. Peut-être c'est lui maintenant. Et maintenant... Yes! Nickel! Du coup, si vous faites le jeu, vous aurez la solution. J'ai moins galéré que la dernière fois en tout cas. Je le sens pas, il me semble qu'il y avait un truc là, non? Non. Oh, non! Bouge pas! Regardez ce qu'on a là! Un misérable petit tas de secrets. Lève-toi tout de suite et rentre là, le chauve. C'est du racisme de chauve, ça. Oh mon dieu, il se fait attraper. Bon, pour ceux qui avaient vu mon premier let's play avec la démon, vous savez ce qui va se passer. Ils ont eu 6. On fait quoi maintenant? Ça sert à rien de pleurer sur du lait renversé. Continuons. Wouah, ces phrases n'ont aucun sens. Cette porte est différente des autres. On dirait qu'il faut quelque chose à mettre là. Ouais. Il faut qu'il complique tout. Ça pourrait pas être une porte à clé normale. Ouais. Aide-moi à monter. Puis descends. D'accord. Vas-y, courte échelle. Allez, on va passer par en bas, nous. Donc notre pote est en haut. Donc ils ont attrapé 6. Lui, j'ai pas fait gaffe, c'était quoi son nom. On fera attention au prochain dialogue s'il y en a un. Ok. Donc là, il s'ouvre le passage tout seul et nous... Wow, nous c'est le problème, non? Ok, j'ai peur d'avoir des dégâts de chute. Ok. Yes. Ok, là c'est vicieux. Vous avez vu? Je me rappelle, il fallait mettre des petites feintes pour pas finir comme le squelette derrière. Wow, c'était limite là. C'est la perspective qui... n'est pas bonne. Oh là là, c'était risqué ce que j'ai fait. Ok, là je me rappelle, va y avoir un piège.
On se casse. Ok. On a évité Walking Dead. Et on a la petite sauvegarde en prime. Heureusement, il y avait la sauvegarde. Ok. Oh, cette perspective est mauvaise. Ah, les gars, c'est dur, hein. C'est au pixel près. On dirait pas, mais c'est très compliqué ici. Yes! Nickel. Voilà, on a réussi. J'espère que notre pote aussi. Je pense qu'on est prêt. Je pense que l'épreuve de notre pote était moins dure que nous. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le mec à tête d'araignée? Oh mon dieu. Allez, on avance. Du coup, c'est bon. Il a ramené donc ce qui nous manquait. Et nous aussi. Voilà. On va ouvrir la porte. Mécanisme chelou. Allez, on entre. Ok, du coup, ça plaît fort. Eh oui, mais c'est logique qu'il s'appelle 4, bien sûr. Ils vont tuer 6. Je pense toujours à Little Nightmare quand j'entends ça. Nous, on est 5, on est 5. On dirait que le lait n'est pas encore renversé. Essayons de le sauver. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous allez voir. Vous allez voir, je vais pas spoil. Là, il y aurait une petite entrée, je pense. On doit passer par là, si je me rappelle bien. Il vous faut une carte pour ouvrir cette porte. Est-ce que c'est pas lui qui va nous faire la courte? Ouais, c'est ça. Non. Devine quoi? Encore une porte verrouillée. Il y a un conduit ici. Tu veux essayer de passer par là? Ouais. Heureusement que je suis au régime. Ah, c'est vraiment des blagues de bof. Ok. Donc ça, on se rappelle. Par en haut, parce que je sais qu'en bas c'est risqué. Si je me rappelle bien. Ouais. Voilà. Donc on a le bouton rouge et le bouton bleu. Rappelez-vous, vous me connaissez par cœur. Moi je prends toujours le bouton bleu. Cette fois on va prendre le bouton rouge. Et lui, on va le tuer. Autant pour moi. Allez les mecs. On va y arriver. J'arrête de faire des bêtises. Yes. On lui brise la nuque. Je suis là, Six. Quel levier je dois tirer? Celui qui me tuera pas. Oh, vraiment? Merci, ça m'aide beaucoup. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, moi, je prends toujours le bleu. Cette fois, je prends le rouge, on va voir ce qui se passe. J'espère que c'est pas un troll. Yes! Les gars, il est pas mort, on pouvait le sauver pour de vrai? Merci, mec, je te donne une bière. Présente-moi ta sœur et on sera quitte. Ok. Faudra me tuer d'abord, crétin. Ok, on a sauvé notre pote, je suis content, franchement, il est pas mort. Allons, on a géré sur ce coup. Ok. Donc là, du coup, c'est totalement différent parce que la dernière fois, il nous manquait un perso. Ok, c'est vraiment cool. On a la carte, on va pouvoir passer. Allez, on ouvre la porte sécurité. Allez, ils nous suivent. Ils mettent bien du temps. Ok, donc lui, il regarde le match de foot. Et bim! Il avait rien demandé. On a les clés, on va pouvoir passer, mais il me semble qu'il va y avoir un truc. Ok, je vais aller leur parler. J'ai les clés des menottes. Comment tu sais que ce sont les clés des menottes? T'as vu des portes dans cette prison qui s'ouvrent avec des clés? Avec une clé? Ouais, pas faux. Ok, très bonne déduction. Hein. Donc du coup, on n'a plus les menottes, c'est beaucoup mieux. Donc vous avez vu, on peut monter, hein. On dirait qu'il y a un bouton de l'autre côté qui devrait ouvrir cette porte. Et je repasse par un conduit. J'ai l'impression d'être dans un jeu Mario. Ok. Donc on va leur ouvrir de l'autre côté. Allez, venez les mecs. Ok, petite cinématique. Ce bouton ouvre une autre porte. On fait quoi maintenant? Non. Ok, c'est mort.
Il a lancé l'alarme. Allez, vous êtes prêts? Ah, je m'en rappelais moi. Oh mon dieu. Vite, 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 vite. Allez, fallait en haut, je crois. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Oui. Oh mon dieu, cette sortie qui fait. Ou cette entrée, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça fait flipper. Dépêche-toi. Ok. Allez. On passe par en haut. Lui, il est mort. On peut rien faire pour lui, c'est fait graille. Au revoir. Au revoir. Aïe. Non, j'ai trébuché sur la tête, je l'avais oublié. Qu'est-ce qu'il est compliqué ce jeu. Ah, la pression. Imagine t'es un gros rat comme ça et te cours après. C'est horrible. Et en plus il rigole. À la base on est ses co-détenus, on lui avait rien fait. Bon, je pense qu'il a foutu toute sa tête. Il pense qu'on est rat. On va avancer. Allez. Et là, la tête, on l'esquive. Il est très proche. Oh mon dieu. Ah. Ok. Ok, je me rappelle, là il y a une technique. Donc là il va essayer de m'avoir. Et il faut mettre des temps en fait. Là il frappe plus haut. Là il frappe en bas. Là il frappe plus haut. Ouais, ne cherchez pas la logique. Voilà. Et on se casse. Allez, allez, mec. Allez. Une bain de sang, mais vraiment. Et du coup... Il va nous fumer. Ok. C'était quoi déjà? Le bouton, le bouton. Yes. Run. Ok. Et je crois la démo s'arrêtait là, si je dis pas de bêtises. Oh oh. Oh oh. Serenity now. Oh oh. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est Parasite. Les gars, c'est l'animé Parasite. Ok, on pouvait se cacher là. Oh mon dieu. Shinichi. Il y a Migi. Il a Migi sur le... Oh mon dieu. Ok. Oh là là, eh, ça va être horrible. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? On devrait peut-être aller à gauche. Je sais pas si on y va comme ça. Ok, y'a quoi là? J'ai peur, hein. Y'a beaucoup de câbles cassés. En haut, on a un trèfle. Ok. Y'a peut-être une combinaison, un pic, un trèfle, un carreau. Ça fait des études sur des rats. Très intéressant. Il va y avoir du casse-tête, les mecs. Ok, il n'y a pas d'électricité. C'était pas de l'eau. Yes, on pouvait. Ok, une genre de pieuvre morte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut s'accrocher en haut? Non. C'est pas ici qu'il faut aller, je pense. D'accord, doit y avoir un délire en bas. Y a quoi? Oh mon dieu! Oh mon dieu, il m'a attrapé. Ah. Ah. Wow. Ok. D'accord, c'est... c'est des détecteurs. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est un truc de fou. Non. Yes. Mais il va nous aider du coup. L'araignée a tué Migi, wesh. Mais c'est trop bien. On aurait un allié. Ok, les câbles, on peut rien faire, vous avez vu. Non, pas moyen. Ok, il y en a d'autres. Oh. Ah, c'était limite. Mais c'est un milliard. D'accord, il y a un délire d'éclair dehors. Je sais pas ce que ça signifie. Ok, faut le bon timing là.
J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ils sont même en fauteuil roulant, mon dieu. C'est quoi ce jeu de malade? On va jamais s'en sortir, les gars. Allez, vite. Non! Oh, comme c'est traître! Les gars, ce jeu est traître de fou! Oh mon dieu. Donc, on a une porte pas loin. Je vais attendre que Miggy remonte. Ah, c'est parasite, vraiment, c'est trop stylé. Allez, yes! On a réussi à passer. Petite save, s'il vous plaît. Attendez. Il y a quelque chose déjà, je sais pas ce que je dois faire. Oh mon dieu. Pamela. Pitié, ne me tuez pas. Du calme, docteur. Je vous vaux aucun mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Le gouvernement nous a forcés à faire des expériences génétiques sur les prisonniers. Mais ça a complètement dégénéré. Ah ben on l'a vu. Il y a un rat géant, wesh. Il faut qu'on se tire de là. Vous savez où est la sortie? Il y a un ascenseur qui mène à la sortie. Mais il ne marche pas. Les créatures ont démoli les disjoncteurs. J'ai vu des disjoncteurs sur le chemin. Je peux peut-être les réparer. Attendez. J'ai quelque chose là. Utilisez cet équipement pour souder les 5 disjoncteurs et revenez ici quand vous aurez fini. Ok, on va jouer à l'apprenti soudeur. Je reviens vite. Et du coup, on va passer par là, je pense. Yes, on va commencer par celui-là. Voilà. Du coup, si ça rien que je passe par là, je vais mourir. Oh là là, je dois revenir en arrière, c'est horrible. Ce jeu est horrible. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fallait que je me planque dans le trou. Qu'est-ce qui lui a pris d'attaquer un handicapé? Mais on fait jamais ça. Oh mon dieu. Oh, attendez. Du coup, logiquement, c'est ça. Sors. Non. Mec. Ah vraiment? Il me troll, ce rat, c'est pas possible. Il pouvait m'attraper. Il y avait un disjoncteur là. Quand tout est vert, les 3 boutons... On est good. Ok, on en a déjà fait 2 sur 5. On va remonter. Non! La caméra est vraiment traître dans ce jeu. Hein. Je sais plus s'il y en avait un à gauche. Yes. Il s'est bien éclaté contre le sol, vous l'avez entendu? Oh, ce réflexe! Attendez, on va le faire en beau gosse. Voilà, en glissade. Oh, comme il s'est explosé contre le sol. Là, c'est très calme. Il n'y a aucune musique, rien du tout. Ok. Ce disjoncteur, et il nous manquera bah, les autres. Je crois que ça sauvegarde en plus à chaque fois. Quand j'en fais un. Nickel, ouais. Parce que le jeu est vraiment compliqué, on va pas se mentir. Lui, fort attention. Le temps qu'on répare, il va être là. J'ai eu de la chance. Ok, j'ai eu de la chance. Il m'a fait peur. C'était où le dernier? C'était là? Je me rappelle plus. Yes, c'est là. Il va se passer un truc, c'est trop simple. Enfin, trop simple. Pas du tout. Ok, on retourne voir Pamela. J'ai réussi à repérer tous les disjoncteurs. Et maintenant? Génial. Une seconde. Ok, il y a de la lumière, c'est cool. Voilà, vous pouvez maintenant accéder à tout le laboratoire et chercher l'ascenseur. Vous venez avec moi, docteur? Non. J'ai encore beaucoup à faire ici. J'espère vous revoir quand tout ça sera fini, docteur. Moi aussi. Bonne chance. Ok. La petite save qui fait plaisir. Et du coup... Ah, regardez, il y a les... Yes! Du coup, on peut passer maintenant, c'est trop stylé. On pourra passer en... Ok.
Donc là, il y a les écusants, le cochon, le hibou et le bouc, on va dire. On va voir la combinaison. Je pense que c'est important. What? Sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? 5! C'est bon de te voir. Content de te voir en vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retrouvé coincé ici. Je sais pas pourquoi, mais le téléporteur ne marche plus. Oh shit. Je l'ai réactivé et je cherche un ascenseur qui mène à la sortie. Un docteur m'a dit qu'il y a un médaillon pour ouvrir la porte. Mais il faut 2 personnes pour que je l'atteigne. Putain, je vais ces donjons. Qu'est-ce que je dois faire? Va en haut pour ouvrir les portes. Je m'occupe du médaillon. Ok, c'est parti. Allez, let's go. Allez, désolé, je voulais pas faire ça. Moi, je vais en haut. Donc, c'est encore un travail d'équipe. Hein. Alors. C'est de la mémoire, en fait. C'est un jeu de mémoire, les gars, je comprends. Sinon, il y en a qui meurt. Hein. Alors. Droite, bas, haut, droite. Droite, bas, haut, droite. Alors. Ok, et là. Gauche, bas, haut, gauche. Gauche, bas, haut, gauche. Ça va, c'est pas des combinaisons à 1 milliard de chiffres. Par contre, regardez, il y a un squelette en haut accroché, j'ai peur qu'il... Il fait pas le con. Oh non! Oh non! Faut l'aider! Bas! Bas, haut, tac, tac. Faut l'aider, faut l'aider, faut l'aider, faut l'aider, faut l'aider. Vite! Droite, bas. Oh la pression! Allez, tu comprends mieux pourquoi il y avait des deux côtés. Gauche, droite, haut, bas. Non, gauche, droite, haut, droite. Allez, vite. Bas, gauche, haut, gauche. Bas, gauche, haut, gauche. Les gars, il arrive très dangereusement. Je peux l'aider du coup? Ok. Donc là, on la save. Oh mon dieu. Moi, j'aurais peur. Hein. Perso, je m'en irais. Il peut pas nous lâcher, ce rat? T'as failli finir en viande hachée. Ouais, c'était juste. Laisse-moi aller chercher le médaillon. Toi, cherche une issue. Alors, on est vraiment un bad boy. Ok, sois prudent. Avec le bandeau sur l'œil façon Zoro. Ok, il est reparti. Et nous, les problèmes. Ok, du coup, on ouvre le truc. Mais là, c'est inquiétant. Ok, le squelette, je le sens pas au-dessus de moi. Vous êtes prêts? C'est obligé. Oh ah. Il m'a fait peur. Oh my god. Allez, en cours, en cours, en cours, en cours, en cours. C'est bon. On se retéléporte. Yes. On appuie le bouton. Ok, du coup, je suis revenu ici. Ça va faire mal les dégâts de chute. Yes. Du coup, on peut passer là. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. What? C'est un scientifique? James. Numéro 5. Comment es-tu arrivé ici? Vous me connaissez? Oui, tu fais partie du projet Ratus. Bah, le nom du jeu, clairement. Le projet Ratus? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Tu dois partir d'ici tout de suite. Prends cette carte d'accès et essaye de sortir de la deck possible. Ok, merci mec. What? Mais c'est Parasite! Mais c'est clairement Parasite, les gars! Bah oui, merci. Bah laissez-moi encore moins de temps. Est-ce qu'on peut le faire en sautant direct comme ça? Yes. C'est bon, on est tranquille. Tu m'attraperas pas. Les gars, c'est clairement Parasite, hein, c'est l'animé de fou. Du coup, il y avait un truc avec la carte en haut.
Ok. Alors, ça nous montre une souris Jisekeron. Il y a un truc qui va se passer. Hein. Ok, j'ai peur. C'est que la main, c'est que la main. Arrête de stresser comme ça, Doflamingo. Je fais quoi? Mais what? Je pouvais faire quoi? Ok, je viens de voir, il y a un passage derrière moi. Enfin, une petite cachette. Au revoir. Oh là, je lui ai mis un trou. What the f... Il a tué? Yes! Pourquoi t'as mis autant de temps? Donc ça veut dire que si on n'avait pas sauvé notre pote, il nous aurait pas sauvé là. D'accord. La prochaine fois, je te laisse crever, crétin. Je déconne, mec. Merci de m'avoir sauvé. Ah, ils ont le temps de se faire des blagues et tout. Maintenant, on est quitte. Ah ouais, clairement. J'ai pris ce médaillon et je cherche une issue. Ok. Je cherche aussi un moyen de sortir de cette merde. A plus. Mais vous pouvez pas vous entraider, tout simplement? Pourquoi ils font bande à part? Ok, ça sauvegarde, ça fait plaisir. Allez, on va aller à droite maintenant qu'on peut passer grâce aux maracas dans les airs. Pour moi, ça ressemble à des maracas. Ouais, c'est clairement des maracas. Le petit côté mexicain du jeu. Allez, c'est parti. On avance. Deux médaillons. On les a. Allez, on entre. Petit à petit, on avance, là. Wow, wow, Belzébuth, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, vous vous rappelez? C'était pas pour rien. Les têtes, je vous l'avais dit. Oh, il y avait même les couleurs des têtes. Bon, je vais clairement tricher. Je vais regarder dans mes rushs, les mecs. Hein. Je vais pas me faire de casse-tête, là. Le premier, c'est le cochon, il me semble. Yes. C'est bien ça. On a ouvert la porte. Donc ça, c'est par rapport aux bannières que je vous disais, rappelez-vous. What? Non, mais sérieux, lui? Pourquoi t'as fait ça, mec? L'ascenseur, il s'est tué juste devant l'ascenseur alors qu'on avait remis le courant. What the fuck? Il a même pas tenté. Faut pas abandonner, les gars. What? Pourquoi il a un chapeau? Ok. Donc on prend l'ascenseur. Pour l'instant, tout va bien. J'ai parlé trop vite! Non, mais c'est sérieux. What? Oh mon dieu. Ce jeu est maudit, les amis. Ce jeu est vraiment maudit. Donc va falloir anticiper. Ok. Ok, tu me fais pas ça à moi. D'accord, c'est... Il y a milieu, ça existe milieu ou pas? Ok, ça existe milieu. Il peut faire 3 positions. Ok, c'est faisable. Oh my god, il va super vite. Hein. Je reste au milieu, c'est plus facile pour esquiver. Wouh! Des gros réflexes là, il faut. Yes! Ça continue? Laisse-moi tranquille. Allez! Oh my god. Smile now. C'est parti! Oh, comme c'est épique! Il y a un petit côté Oddworld Exodabe. C'est un jeu que j'ai fait il y a longtemps. Oh non, il va être encore là. Ratus. Ratus. Oh shit! La position quand je suis mort! Les gars, c'est un jeu de malade ça. Oh là là, c'est bon. On arrive ici. Instincteur, on peut le prendre? Non, on peut pas le prendre. Donc on est à l'étage 2 là. Cette position encore. Ok, je peux pas prendre instincteur, je pense que je vais devoir courir. Hein. Me tire! Non, 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 fallait glisser. Cette fois c'est la bonne. Yes, ils savent pas faire ça. Des années d'entraînement à l'armée pour pas savoir faire ça. Ok. Allez, le rat qui va encore essayer de nous buter. On habitue maintenant. Ah, il nous déteste, le rat. Je sais pas ce qu'il a contre nous, là. What? Il est sérieux? Oh, il m'enchaîne trop vite, là.
Allez, étage 1. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Je vais courir. Il y a l'araignée? Il est gentil ou pas? On peut pas se servir. Ouais, c'est du sang. Il nous a aidés? Les gars, ils viennent me sauver la vie! Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis complètement malade, moi. Là, je me taille. Oh my god. Here's Johnny. Ok, au revoir. What? On est mort. Yes! On est tombé dans les poubelles. On s'en sort bien. Allez, on se taille. On va pouvoir s'échapper? Acte 3, les égouts. Il y a combien d'actes, du coup, vous pensez? C'est un clochard... C'est pas un humain, ça. What? Les gars, il y a une société secrète en bas, c'est que des têtes bizarres. On dirait des animatroniques. Et mon perso, il est en train de danser. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va, les mecs. On comprend pas ce qui se passe. Ok. Alors apparemment, il m'attendait pour un concert. Si vous ne comprenez rien, si vous trouvez que c'est what the fuck, je partage votre avis. On a la grenouille qui nous fait un rap. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bravo. Bravo. Vraiment bravo. Il s'appelle Mickey. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'un humain fait ici, perdu? J'essaie de survivre et de m'échapper de cette prison. C'est l'histoire de tous ceux qui passent par ici. Vous voulez boire un coup? Ah, mais si c'est l'histoire de tous ceux qui passent par ici, est-ce qu'ils ont été transformés à cause des expériences ou ils sont devenus comme ça parce qu'ils ont bu un coup chez vous? Il faut que je me tire d'ici tout de suite. Vous pouvez m'aider? Le seul qui peut vous aider est le maître. Je peux vous mener à lui, mais rien n'est gratuit ici. Ouais, il va m'amener à Maître Splinter. Qu'est-ce que je dois faire? Suivez-moi. Ouais. C'est louche, les gars. Ok, là, il y a un gros égout avec une tête de mort. Un voleur a volé ma poule d'or et s'est enfui dans le donjon. C'est les vraies quêtes de RPG, ça. Récupérez la poule pour moi. Et je vous montrerai comment rejoindre le maître. Oh, le gros troll. Ok, je reviens tout de suite. Les gars, c'est chelou. Hein. Oh non. Oh non. Je meurs de là? Ok, c'était limite. Oh non, le timing! Oh, le timing de merde! Les gars, c'est compliqué. Hein. Allez! Yes! Ok, c'était chaud. Il faudrait un checkpoint là. Oh non. Un checkpoint s'il vous plaît. Il y aura une scie en haut, vous avez vu? C'est pas normal. Ok, il y a un checkpoint, c'est cool. Allez. Moi j'ai pas confiance, ça sent la scie. Il y a un trou dans le mur. Hein. Peut-être c'est pour le retour. Ok, je suis passé. Pourquoi je me suis relevé? Non! Oh, c'est un jeu de sadique, pire que Jigsaw. Ok. Oh my god! Ok, on a une dalle en dessous nous. Est-ce qu'il faut appuyer dessus ou pas? J'ai pas appuyé dessus, je sais pas si c'est l'erreur de ma life. Je suis mort. Ok, je comprends mieux pourquoi.
J'avais bien fait de pas la toucher. Allez, viens là. Espèce de rôdeur. Incroyable. Incroyable. Yes, on a le petit checkpoint. Du coup, c'est bon. Et du coup, on va aller ici. La poule, elle doit être là. Comment je fais? Ouais? Ouais? Allez! Yes! File la poule! Yes, on a la poule! Oh, c'est trop bon, c'est gavé. On va lui rendre la poule et c'est bon. Tiens, mec, ta poule! Voilà votre poule d'or! Je ne pensais pas sortir vivant du donjon. Merci beaucoup, monsieur. J'adore ce poulet. Viens par là. Ok. Je savais que c'était ici. Prenez ce tunnel et vous trouverez le maître. Mais attention. Si vous voyez une créature, ne bougez pas. Ok, je me débrouillerai. Donc, on ne bouge pas, hein, surtout pas. Ça se trouve, c'est des créatures qui réagissent juste au mouvement. Ok, je comprends mieux pourquoi ça va réagir au mouvement. On est dans le noir. En haut ou en bas, on va en haut. Mais j'ai pas bougé. Il y a des trous, hein, c'est... Ah, faut pas bouger. Il y a des tops. Il y a des genres de tops. Bouge plus. Ne bouge plus, mec. Ok, il est rentré dans son trou. Ah, les gars, c'est stressant. De tout en bas, dans les ténèbres. Oh my. C'était un piège. C'était un piège. Ah. C'est horrible ce qui se passe. Ok, je suis dans les airs, je suis tranquille, normalement, il peut pas m'atteindre. Donc c'était pas en bas, là, je me suis fait avoir. C'est un véritable labyrinthe. Yes. Oh mon dieu. Rentre dans ton trou. Oh mon dieu. Yes. Mon dieu. On a trouvé le deuxième. Ok, il est rentré dans le trou. Ok. Regardez, on a trouvé la porte. Yes. On sort enfin de là. Ok, il y a Maître Splinter, je vous l'avais dit. C'est pas sérieux. Maître. Je vois un humain perdu ici. J'essaie de m'échapper de cet endroit. Et on m'a dit que vous pouvez m'aider. Peut-être, peut-être pas. Toi seul peux t'aider, toi-même. Merci Maître Yoda. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes sur une île isolée. J'ai un bateau. Il n'a pas de cœur. De cœur? Il y a un vieux moteur de voiture ici dans les égouts. Mais ceux qui ont essayé de le chercher ne sont jamais revenus vivants. Où dois-je aller? Prends cette direction. Bonne chance, jeune homme. Ok, encore la mission en mode RPG. Ah voilà, c'est de la grosse ampoule, les mecs. Oh my god. Y a Pamela qui est attachée? Oh non! Faut la sauver, les gars. Ok, faut faire attention au gaz sur le sol en plus. Elle va mourir. Oh, mais là, tu vas t'en sortir. Va t'en sortir! Yes! Ouh, c'était limite. J'ai cru que ça allait s'arrêter au même niveau d'eau en fait. On l'a sauvé. Merci de m'avoir sauvé mon héros. Je cherche un moteur pour qu'on puisse s'enfuir d'ici en bateau. Passe par ce conduit et attends-moi avec le maître. Il prendra soin de toi. J'y vais. Fais attention. Ok. Bon, on a sauvé Pamela, c'est cool. Pour l'instant on a perdu personne de notre équipe. J'espère qu'on va les retrouver. Si on s'échappe tous en bateau, on fait un équipage à la One Piece. C'est la meilleure des fins. Ok, il y a un délire avec le fromage. Le rat. Petit rat.
Ok, si je le pose... Ah, d'accord, ça dégage une odeur, ok. Ok. Je vais le mettre ici. Allez, dégage ton odeur puante. Ah, cette petite abchie, en fait. Allez, toi, tu vas m'ouvrir cette première porte, je pense. Yes. Ok, ça part de là. Première porte. Deuxième. Allez. Préparer celle-là. Hop là. Maintenant on fait celle-là. On se dépêche. Yes. Et du coup maintenant on fait celle-là. Allez. Nickel. Nickel. What? Ok, oh, c'est cool ça. C'est moins cool. Ok, il y a un délire de timing. Ok. Façon commando. Ça, ça me rappelle une scène dans Resident Evil, le film. Oh là là. Je vais faire comment le prochain? On voit même pas avec la caméra. Ok. Trop gourmand. Ok. Là, on va faire le saut. On va tout miser. Allez, mec. Yes. Et là. C'est bon ou pas? On fait descendre le niveau. Bah, tout est bon. Ou pas? Il y a un truc qui est. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok, c'est en train de descendre, cool. On se dépêche, je sais pas si j'ai le temps. Oh my god, oh my god! Je vais mourir! Ok. J'ai eu de la luck, hein. C'était just. Ça sent les gros pièges là. Ah! Oh mon dieu! Oh, il court super vite! Ok, je pense faut y aller en sneaky. Hein. J'ai failli me faire avoir. Au revoir. Comment il le sait? Ok les mecs, on va y arriver, on va y arriver. Il va fumer. What? Il y a la voiture. Ok, je pense avoir compris. Dès qu'il tourne le dos, là, on peut y aller. Mais c'est très risqué quand même. Alors on avance petit à petit. On n'est pas pressé. Je pense que je peux avancer de combien là? De 2. Ouais, de 2. What? What the fuck? Il faut un battle de titans. Allez, je conduis. Fais les films, mec! Oh mon dieu! Ça se gifle! What? Il a défoncé? Hein? Oh mon dieu! Attendez! Ouais! Oh my god, c'est incroyable ce jeu! Je suis en train de pousser! Yes! C'est bon, on a le moteur! On est good les mecs. Ok, c'est bon, on est revenu. Et normalement on est good. J'ai le moteur, filons. Grimpe cette échelle, le bateau est prêt à partir. Merci pour tout maître.
Yes, en plus il y a tous nos potes, c'est trop bien. Allez. Tulle Station 1982. Yes, du coup on a le moteur de... What? Oh non. Oh my god. Oh, il est revenu. Il est encore là les mecs, on est foutus. Non. On peut pas les aider. Allez, Pamela. Il est redevenu normal, yes. C'est redevenu numéro 3. Elle avait un antidote. Oh là là, incroyable. Je pense qu'on a la meilleure des fins là. Avec l'araignée. Y'a pas un antidote pour lui? Et l'amour qui triomphe toujours. L'amitié. Les gars, on a nos Nakama. Les gars, on a nos Nakama. C'est incroyable. Oh, c'est trop bien. Ratuse. Donc voilà, on a terminé le jeu. On a terminé le jeu, les mecs. Fin? Les gars, il y a 8 fins dans le jeu. C'est incroyable. Yeah.
Hey! No!